Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de la SRPC pour notre deuxième enregistrement aujourd'hui, après notre rencontre qui va être fort probablement publiée juste avant cette vidéo-là. Nous allons vous faire la lecture de la réclamation de droit royal avec Madame la gouverneure générale du Canada de Yorée, que j'invite à découper son micro, et on va pas faire d'emballage cadeau. Donc, Canada, province de Québec, district de Mont-Laurier, Lamakaza, le mardi 4 avril de l'an de grâce 2017, réclamation de droit royal. Madame la gouverneure générale, êtes-vous prête? Oui, monsieur, Attends, certain. attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, la Constitution et les documents suprêmes du Canada. Attendu que le Canada est un État souverain basé sur la monarchie constitutionnelle, historiquement héritée du Parlement impérial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Écosse, ainsi que de l'Empire britannique. Attendu que, à l'époque, Élisabeth II, pseudonyme de Elizabeth Mary Alexandra de Windsor, alias Saxe-Coburg-Gotha, au titre de reine, a été découronnée par un acte du Parlement du Canada selon la loi sur le Parlement LRC 1985, chapitre P1, article 2, lequel article se lit comme suit. La dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu d'évolution. Mention spéciale, celle loi n'a aucune validité juridique ou légale. Attendu que le Canada a gracieusement reçu sa constitution ainsi que son indépendance par acte de loi sur le Canada 1982, chapitre 11, de la part du Parlement uni de Grande-Bretagne et d'Écosse en langue de grâce 1982. Attendu que la Constitution du Canada est un ensemble de documents compris depuis l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 jusqu'à 1982, connu sous le vocable général de Constitution du Canada ou officiellement comme Loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Également sont compris dans ces documents les actes du Parlement de l'Empire britannique relatifs au bon gouvernement antérieur ou postérieur à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, ce qui inclut, mais non limité, au Bill of Rights de 1689, l'Act of Settlement de 1701, ainsi que la Magna Carta Libertatum de 1215. Attendu que la monarchie du Canada ou souverain du Canada, ainsi que la monarchie constitutionnelle du Canada, n'ayant pas légalement, légitimement ou constitutionnellement un successeur officiel désigné, nommé ou héréditaire de droits royaux de la lignée royale du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Écosse, Attendu que la province de Québec, ayant refusé de signer la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, laquelle inaction constitue une infraction à l'ordre public et au bon gouvernement de la nation du Canada, laquelle inaction avait pour effet de dissoudre immédiatement tout délégué sans limite sous autorité du souverain du Canada. attendu que l'acte décrit précédemment constitue une infraction à l'ordre public et au bon gouvernement du Canada, en contradiction avec le droit, la loi ou les usages et coutumes en vigueur au Canada. Attendu que le bon gouvernement requiert que l'ordre public soit basé sur la loi suprême qu'est la Constitution du Canada, ce qui rend inopérante toute disposition contraire. Attendu que la trahison, la haute trahison, la révolte, la rébellion ou la révolution contre la couronne ou l'État constitutionnel de droit sont des actes prohibés au sens de la loi en matière criminelle au Canada, donc punissables par déclaration de culpabilité en procédure sommaire. Attendu que le gouvernement du Canada ainsi que ses provinces ou territoires sous son autorité sont fondés ainsi gouvernés par consentement libre et éclairé sous la direction du souverain du Canada, sous la direction du souverain royal selon sa constitution. Attendu que le peuple du Canada, dans son ensemble, supérieur en fait ainsi qu'en droit, est en demeure propriétaire et demeure propriétaire bénéficiaire du souverain du Canada, délégué en fiducie,
au travers la loi sur le Canada, 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, au titre de souverain royal du Canada ou roi du Canada, le tout constituant la nation du Canada. Attendu que le souverain royal du Canada ou roi du Canada est un servant public ainsi que tous les délégués fédéraux, provinciaux ou territoriaux nommés par lui pour assurer l'ordre public et le bon gouvernement du Canada, ainsi tous assujettis à la Constitution du Canada. Attendu que la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, est actuellement invalide, en attente de signature, par absence de consentement de la province de Québec. Seuls demeurant valides les actes légaux, au demeurant constitutionnels et légitimes, précédant cette absence de consentement. Par loi, par usage et coutume, ou par tradition populaire, aucun consentement n'est requis pour valider le fait inaliénable que le Canada est légalement une monarchie constitutionnelle depuis sa création ou avant. La province de Québec ne respecte pas la loi sur le Canada 1982, n'est donc pas légalement une province du Canada, est en rébellion illégale contre celui-ci. Attendu que les conférences constitutionnelles sur le Canada subséquentes à 1982 ont également été des échecs au consentement par signature libre et volontaire. Attendu que l'absence de signature à la Constitution a pour effet automatique et inévitable d'invalider la légalité, légitimité ou constitutionnalité du souverain royal du Canada ou celle des délégués nommés par lui pour assurer l'ordre public et le bon gouvernement du Canada. Attendu que, dans la mesure du possible, les contrevenants de facto ont été formellement identifiés, ainsi fortement intimés de la suivante. Et je lis le texte original. Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leur demeure ou leur occupation légitime, sous peine d'être coupables d'une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Dieu sauve la Reine. Attendu que le commandement légal et légitime à l'ordre public et au bon gouvernement a été ignoré des contrevenants concernés. Attendu que le présent acte de réclamation de droit royal ne constitue pas une rébellion, une révolte ou une révolution, ni encore une opposition illégale ou criminelle. Le présent acte ne constitue pas en aucune manière la révocation du droit royal à l'ayant droit légitime. Le présent acte ne constitue pas une atteinte à la personne royale précédente ou ne contrevient en rien suite à un acte prohibé ou criminel. Le présent acte en vue de redressement de tort pour l'ordre public et le bon gouvernement. Avis public. Élisabeth II, reine du Canada. Après son découronnement officiel, subséquent au rapatriement de la Constitution de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, jusqu'à ce jour. Cette absence seule justifie la présente réclamation de droit royal. La légitimité politique vient seulement renforcer la validité légale pour Denis Ier de la présente réclamation de droit royal du titre et fonction de droit du Canada. Les 20 années nécessaires à un droit acquis en rapport avec l'indépendance du Canada sont passées, révoquant ainsi sans doute possible tout droit qui aurait été acquis par hérédité ou légitimité passée. Pour les raisons susmentionnées, le souverain royal du Canada ou son gouvernement légal, légitime et constitutionnel sont de facto absents ou illégaux. Par conséquent, le souverain royal du Canada ou le gouvernement ainsi que le titre de roi du Canada ou reine du Canada ou le trône du Canada demeure vide. Le grand sceau du Canada demeure légalement inutilisé afin d'entériner la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni.
le rapatriement ou l'acte par le Parlement impérial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Écosse de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, est et demeure le dernier acte légal commis au Canada jusqu'à ce jour, invalidant tout acte subséquent au nom du souverain royal du Canada. La loi sur le Canada 1982 est en attente de signature officielle, validant celle-ci ou les actes qui en découlent, précédents ou subséquents. Le gouvernement du Canada, actuellement de facto, siégeant illégalement au nom du souverain dans le Parlement du Canada ou tout autre édifice de législature provinciale, municipale ou territoriale, n'est pas le gouvernement public de jure, légal, légitime ou constitutionnel au sens de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, le tout constituant un acte illégal de facto, contraire au gouvernement légal de jure, décrit par la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Tout membre de ce groupe de facto étant par conséquent en conflit d'intérêts, automatiquement dans l'incapacité de juger de la nature et de la qualité d'un acte de jure, donc incapable de s'opposer légalement à l'actuelle réclamation de droits royaux. Les actes du gouvernement de facto ou autres organismes d'intérêt privé similaires ayant comploté ne sont pas valides sous quelque forme dans la totalité ayant volontairement, mens reas, ignoré d'informer Actus Reus, le peuple du Canada depuis 1982 ou avant, de l'actuelle situation juridique illégale face à la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. Au surplus, ayant illégalement dévolu la couronne ou le titre de souverain royal du Canada, ainsi que ses fonctions propres à son propre profit, ou ayant accepté que des actes prohibés se déroulent dans les faits, le tout constituant une grande quantité d'actes criminels préalables ou subséquents en bande organisée. Tout humain ayant droit peut réclamer le droit royal pour lui-même s'il a une raison légale et légitime et constitutionnelle de se faire sous sa responsabilité individuelle pleine et entière. Avis public de réclamation de droit royal. Par la présente à cette cause, afin d'assurer l'ordre public et le bon gouvernement du Canada, selon la Constitution du Canada au sens de la Loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, est légitimement réclamé le droit royal plein et entier du souverain royal du Canada, le tout sans opposition légale, légitime ou constitutionnelle, ainsi qu'une réclamation pour le titre de roi du Canada, administré par et pour le peuple du Canada, au travers de la personne morale sans but lucratif de la Société royale publique du Canada, ou SRPC, nommé Denis Ier, alias Humaine Denis Paiement, la dite société n'étant pas actuellement un organisme du gouvernement du Canada, non enregistré comme entreprise. La Société royale publique du Canada, ou SRPC, formera le gouvernement officiel du Canada de manière légale, légitime et constitutionnelle par consentement et autorisation du peuple du Canada sous le grand sceau du Canada par la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Tous les autres postes légaux du gouvernement du Canada de jure ou inférieurs sont à pourvoir selon les critères des fonctions en cause basées sur les besoins du peuple du Canada. L'absence de clarté ou de loi valide au Canada à propos des dispositions de réclamation de droit royal entérine automatiquement, de droit en lui-même, la manière dont le présent acte authentique est fabriqué ainsi que la façon d'appliquer la dite réclamation de droit royal. Le présent acte sera constaté également par acte notarié et publié au Bureau de la publicité des droits. Même si ce n'est pas requis ni nécessaire, il n'existe aucun précédent à une telle réclamation de droit royal au Canada. Il n'existe donc aucune méthode.
Toute opposition humaine à la présente réclamation de droit royal devra être soumise par écrit sous forme de courrier ordinaire envoyé à l'adresse de l'intéressé dans les 10 jours calendriers consécutifs. Ainsi, expliquer en détail les raisons légales, légitimes ou constitutionnelles de son opposition, ainsi que ses motifs justifiant cette dite raison, qui seront étudiés pour débat. Toute personne ayant légalement droit par hérédité, ordre de succession, droit divin de royauté, légitimité politique ou par le droit de conquête peut également s'opposer à la présente de la même manière, faute de quoi il sera constaté sans autre formalité que la présente constitue un acte authentique, légal, légitime et constitutionnel. Aucune approbation du gouvernement de facto illégitime n'est nécessaire à ce que l'acte authentique soit réputé vrai. L'ignorance de la présente réclamation ne constitue pas à lui seul un motif suffisant d'opposition. L'opposition d'une société, entreprise ou corporation d'intérêt privé sous diverses formes ou toute autre organisation commerciale n'est pas recevable sous aucune forme ni pour aucun motif puisqu'elle ne représente pas le peuple du Canada. Toute opposition présentée par l'une ou l'autre de ses parties, avouée ou cachée, sera ignorée dans sa totalité ou considérée comme partie coupable de haute trahison, également de complot et haute trahison. Juste un instant. Dans le cas où aucune opposition réelle provenant du peuple du Canada ou de l'ayant droit légal, légitime et constitutionnel n'est reçue dans les délais de 10 jours calendriers consécutifs suivant la signature, il sera admis que Denis Ier, alias Denis Paiement, sera officiellement, légalement, légitimement et constitutionnellement roi du Canada, en remplacement du vide actuel qui entrera en fonction officielle en tant que gouvernement légal du Canada le 1er juillet de l'an de grâce 2017. Avis public de réclamation de droit de régner. Denis Ier est une fiction légale sous forme de corporation seule ou sole corporation, nommée Société royale publique du Canada ou SRPC plus loin dans le texte, qui est non enregistrée, créée et administrée uniquement par Denis Paiement au nom du souverain royal pour l'administration de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. La SRPC agissant au nom du souverain pour la couronne du Canada, ayant Denis Ier, alias Denis Paiement, au titre de roi du Canada, est valide pour 2 années calendrier consécutives à partir de la date dite du 1er juillet de l'an de grâce 2017. À cette date, la SRPC sera reconnue comme seul organisme légal au Canada en tant que gouvernement de jure légal chargé d'aider ou corriger toutes les autres parties du gouvernement de facto à se conformer à l'état de droit légal, légitime et constitutionnel selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ou dissoudre ceux-ci dans l'impossibilité de la conformité en tant que disposition contraire. Une procédure simple, par décision de la CRPC, serait mise en place afin de procéder à l'abdication du droit de régner ainsi que pour le passage héréditaire ultérieur des responsabilités ou fonctions du souverain du Canada ainsi que pour le titre de roi du Canada ou reine. La date du début de la réclamation de droit de régner est le premier jour du mois de juillet de l'an de grâce 2017. S'éteindra automatiquement l'échéance de 2 années consécutives, soit le premier jour du mois de juillet de l'an de grâce 2019, selon les conditions ultérieures à la présente réclamation du droit de régner établie par la SRPC seule. Alors sera offerte le souverain du Canada ou tout ce qui concerne la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, à l'ayant droit suivant. Évidemment, ça c'est enregistré là, matière interprétation, parce que j'étais le seul ici présent qui était aussi à Falcon Lake en 2019. Sa Majesté du Chef du Canada, Denis Ier, a été reconduit par les signataires de la Constitution lors de la dite rencontre constitutionnelle. Et comme c'est indiqué ici dans l'article qui vient de lire, qui vient d'être lu, pardon, là, c'est donc établi par la SRPC seule. Donc la SRPC a établi que l'ayant droit suivant, c'était le même qui était actuellement dans le trône. Donc les 2 années consécutives ont servi à
la cause constitutionnelle à obtenir le consentement de toutes les provinces. Et donc, il a été reconduit. Toute opposition humaine à la présente réclamation du droit de régner devra être soumise par écrit sous forme de courrier ordinaire envoyé à l'adresse de l'intéressé dans les 10 jours calendriers consécutifs, ainsi expliquer en détail les raisons légales, légitimes ou constitutionnelles de son opposition, ainsi que ses motifs justifiant ces dites raisons qui seront étudiés pour débat. Toute personne ayant légalement droit par hérédité ou hors de succession, droit divin de royauté, légitimité politique ou par le droit de conquête, peut également s'opposer à la présente de la même manière. Faute de quoi, il sera constaté sans autre formalité que la présente constitue un acte authentique, légal, légitime et constitutionnel. Aucune approbation du gouvernement de facto illégitime n'est nécessaire à ce que le présent acte authentique soit réputé vrai. L'ignorance de la présente réclamation ne constitue pas à lui seul un motif suffisant d'opposition. L'opposition d'une société, entreprise ou corporation d'intérêt privé sous diverses formes ou toute autre organisation commerciale n'est pas recevable sous aucune forme ni pour aucun motif puisque ne représente pas le peuple du Canada. Toute opposition présentée par l'une ou l'autre de ses parties avouées et cachées sera ignorée dans sa totalité ou considérée comme partie coupable de haute trahison et je tiens à mentionner qu'il n'y a pas répétition. Même si le texte est le même que ce que j'ai lu précédemment, il s'appliquait pour la réclamation de droit royal, alors que maintenant c'est la réclamation de droit de régner. Également de complot pour haute trahison. Dans le cas où Merci. aucune opposition réelle provenant du peuple du Canada ou de l'ayant droit légal, légitime et constitutionnel n'est reçue dans les délais de 10 jours calendrier consécutifs suivant la signature, il sera admis que Denis Ier, alias Denis Paiement, sera officiellement, légalement, légitimement et constitutionnellement roi du Canada en remplacement du vide actuel, qui entrera en fonction officielle en tant que gouvernement légal du Canada le 1er juillet de l'an de grâce 2017. Je vous remercie de votre patience. Il en reste un petit peu. On a dépassé la moitié. Donc, celui-là, je vais tout lire la page Madame Detwiller, puis je vais vous inviter à lire la même déclaration sur la page suivante. Ça va avec vous? Parfait. Oui. Okay. Déclaration de réclamation de droit royal. Et j'ai légalement, légitimement, constitutionnellement réclamé devant témoin pour Denis Ier le droit royal incluant le titre de roi du Canada plein et entier selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. J'ai juré que je réside géographiquement et historiquement, tels mes ancêtres, au lieu dit du Canada, que je suis du peuple, n'ayant légalement, au sens de la loi valide, jamais été condamné pour un acte criminel ou pour lequel je n'aurais pas été absous. J'ai juré que tout ce qui est présenté par la présente réclamation ne constitue pas la normalité, est fait par recours extraordinaire, sous mesure d'urgence, en assistance à personne en danger, sous la loi du bon samaritain, afin de défendre le peuple et la nation du Canada, au travers l'application de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. J'ai juré que je n'ai aucun intérêt personnel à ce faire, que j'agis de bonne foi en vue de redressement de tort. J'ai juré de la véracité de tous les faits allégués au meilleur de ma connaissance afin de justifier la présente réclamation. J'ai juré allégeance à la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. J'ai signé librement et volontairement par Denis Paiement en ce quatrième jour du mois d'avril de l'an de grâce 2017 dans l'hôtel de ville de la municipalité de Lamakaza au Canada et je vous présente la signature en bleu pour cet acte. Et je vais vous présenter, tant qu'à y être, la prochaine signature en bleu sur ce que Madame s'apprête à lire. Pendant qu'elle va faire ça, moi, je vais prendre une petite pause de 2 secondes. Et la déclaration de réclamation de droit de régner. J'ai légalement, légitimement, constitutionnellement réclamé devant témoin pour Denis Ier le droit de régner, incluant le titre de roi du Canada plein et entier selon loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. J'ai juré que je réside géographiquement et historiquement tels mes ancêtres au lieu dit du Canada. Que je suis du peuple, n'ayant légalement, au sens de la loi valide, jamais été condamné pour un acte criminel, pour le par la présente réclamation ne constitue pas la normalité, étant faite par recours extraordinaire,
sous mesure d'urgence, en assistance à personne en danger sous la loi du bon samaritain, afin de défendre le peuple et la nation du Canada au travers l'application de la loi sur le Canada 1980, chapitre 11, Royaume-Uni. J'ai juré que je n'ai aucun intérêt personnel à ce faire, que j'agis de bonne foi en vue de redressement de tort. J'ai juré de la véracité de tous les faits allégués au meilleur de ma connaissance afin de justifier la présente réclamation. J'ai juré allégeance à la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. J'ai signé librement et volontairement par Denis Paiement. En ce quatrième jour du mois d'avril de l'an de grâce 2017, c'est-à-dire dans l'hôtel de ville de la municipalité de la Macasa au Canada. Bon, merci beaucoup, madame. Maintenant, on a fait en deux temps une proclamation d'ordre royal. Je tiens à mentionner, avant de procéder à la lecture, c'est pas tellement long, il en reste vraiment pas beaucoup. Je vous remercie de votre patience. C'est important que ça soit lu dans son entièreté, même si je suis pas mal sûr que ça a déjà été fait en public. Mais voilà, des fois, il faut se répéter, et c'est ce qu'on va faire. Mais je tiens à mentionner que le préavis public de proclamation d'ordre royal s'applique pas au peuple en tant que tel, s'applique au gouvernement de facto, n'est-ce pas? Donc, les ordres qu'on va lire, ce ne sont pas destinés en aucun temps à limiter la liberté du peuple. Donc, c'est un préavis à ce moment-là, en 2017, qui est devenu réel le 1er juillet de l'an de grâce 2017. Par recours extraordinaire, sous mesure d'urgence, en assistance à personne en danger, sous la loi du bon samaritain, acquis de droit, donc au gouvernement de facto, pour exécution immédiate, valide le 1er juillet 2017. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par ordre légal, Denis Ier, souverain du Canada, au nom du peuple du Canada, roi du Canada, déclare et ordonne ce qui suit. Déclaration universelle de paix pour le Canada envers quiconque, avec effet immédiat à la date susmentionnée. Le statut de paix universelle a pour effet immédiat et irrévocable de faire cesser toute guerre ou acte similaire dans lequel le Canada est impliqué légalement ou non. Toute guerre ou acte de guerre commis par le Canada subséquent est illégal, punissable sur déclaration de culpabilité, ce qui n'a pas pour effet d'interdire la légitime défense du Canada en cas d'agression ou trouble à l'ordre public ou au bon gouvernement suite à cette déclaration. Par ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, déclare « Le peuple du Canada, composé d'humains vivants, ayant libre arbitre et pouvoir d'autogouvernement supérieur en fait et en droit. » Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, est instaurée légalement la monarchie constitutionnelle du Canada selon les us et coutumes, selon la vérité historique, selon la loi, par acte public authentique de Denis Ier, roi du Canada, tel que prévu par la loi du Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, est ainsi instauré le gouvernement légal, légitime et constitutionnel du Canada au sens de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ainsi confié à la SRPC, ainsi qu'au souverain du Canada, Denis Ier, roi du Canada. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, déclare que tout servant public sous juridiction du Parlement du Canada, sans distinction de rang ou de poste, est légalement ordonné de se conformer intégralement immédiatement à la loi sur le Canada 1982 ou se désister de fait de ses fonctions au nom du gouvernement de facto, illégal, illégitime et inconstitutionnel. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, constitue la loi suprême du Canada et rend inopérante toute disposition contraire. La loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, appartient au peuple, non au Parlement du Canada ou aux législatures provinciales. C'est en elle que le peuple du Canada trouvera sa protection.
Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, souverain du Canada, roi du Canada, est tenu par la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, ainsi que tous ses délégués servant le peuple du Canada en tant que fiduciaire y inclus pour la Société royale publique du Canada. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par intérim, sont maintenant maintenus tous les postes d'emploi ou autres occupations de facto de l'actuelle structure représentant illégalement le gouvernement jusqu'à ce que la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, soit reconnue comme vraie et appliquée comme indiquée dans celle-ci. Ce, pour le maintien de la paix sociale, l'ordre public et le bon gouvernement. Tout servant public complotant contre ou bien contrevenant au présent ordre, de quelque manière que ce soit, sera déclaré coupable de haute trahison. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, toute dérogation par un servant public au présent ordre royal ou la loi sur le Canada 1982 sur déclaration de culpabilité sera considérée comme étant de la haute trahison. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, sont immédiatement réinstaurés, selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ou précédant, le banc du roi et le grand jury populaire, selon la tradition ou la coutume du peuple du Canada. Les deux instances sont supérieures en fait et en droit, suprêmes à tout autre tribunal d'État, directement sous l'autorité et la juridiction du souverain du Canada, Denis Ier, roi du Canada, chargé du rétablissement par lui ou ses délégués de cette importante mesure légale de protection essentielle pour le peuple du Canada contre la tyrannie. Ce, au travers la responsabilité pleine et entière du ministère de la Justice du Canada, aussitôt que possible. Après sa conformité à la loi sur le Canada 1982, chapitre 11. La forme de ces instances, inexistantes actuellement, sous la discrétion seule de la décision de la SRPC, le roi du Canada, souverain du Canada, fiduciaire, est soumis à la décision du banc du roi ou du grand jury, lequel ne peut refuser d'entendre une cause légitime de réclamation contre l'État après épuisement des autres recours faits par un humain libre du peuple du Canada. Les conditions de rétablissement de tels organismes demeurent à établir dans les faits, seront ultérieurement communiquées. Des questions Par par... ordre. Attendez, Ouais, juste un instant. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, proclame que le gouvernement du Canada, dans son ensemble, n'a pas autorité ni juridiction sur le peuple du Canada, ne peut donc émettre d'ordre le concernant, ni employer quelque force que ce soit pour parvenir à cette fin, sauf dans le cas de bris de la paix afin de protéger le peuple ou autres ressources, incluant la propriété, contre divers troubles contraires à l'ordre public, ce qui inclut la révolte, la révolution, la rébellion, ainsi que pour tout acte concerné par le règlement du gouvernement du Canada. Les fonctions, responsabilités, ainsi que l'encadrement, pardon, strict du gouvernement légal tel que décrit ou limité par la loi du Canada sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni ou autres textes reliés. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, la dévolution de la couronne faite par la loi sur le Parlement LRC 1985, chapitre P-1, est invalide, n'a aucun effet sur les actuels ordres royaux ainsi que tout autre acte similaire. Tout autre acte au nom du souverain du Canada selon cette loi ou tout autre texte relatif au gouvernement de facto, au demeurant, invalide. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, toutes les lois, actes ou décisions passées en date de ceci du gouvernement de facto sont maintenues ad intérim pour évaluation jusqu'à ce que la validité soit assurée légalement selon la loi sur le Canada. Et je tiens à mentionner que ce qui a été fait après la date mentionnée du 1er juillet 2017, ce n'est pas maintenu.
Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, toutes les lois, actes ou décisions présents du gouvernement de facto, sous autorité du Parlement du Canada, sans distinction de rang ou de fonction, ne sont plus autorisées de quelque manière jusqu'à ce que la validité de leur élection soit assurée légalement, selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. Également, les fonctions du gouvernement de facto sont tant pour évaluation jusqu'à ce que la validité de leur élection soit assurée légalement selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par absence légale du gouvernement de jure du Canada, la SRPC, société publique non enregistrée, agira temporairement en tant qu'organisme gestionnaire directeur du Canada, souverain du Canada, pour établir de la manière la plus simple possible le véritable gouvernement élu par le peuple du Canada, selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Les membres de la SRPC sont volontaires, libres, bénévoles ou non, selon le cas, travaillant au nom de l'ordre public et pour le bon gouvernement du Canada, directement sous autorité et juridiction du souverain du Canada par Denis Ier, roi du Canada, en tant qu'employé d'équivalence fédérale soumis à la loi sur le Canada 1982, tel que tout autre servant public. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ou ses délégués du gouvernement de jure légal du Canada, au travers la SRPC, est chargé d'appliquer la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni. Ainsi, favoriser la mise en place ou la révocation, au besoin, concernant toute disposition contraire, contrevenant à la loi. Le présent ordre concernant également tout servant public du gouvernement ou du Parlement du Canada soumis à la gestion sous autorité et juridiction de la SRPC. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, la SRPC aura une durée de vie limitée à 2 années suivant la signature de la réclamation de droit royal commençant à la date indiquée du droit de régner. Durant ce délai, la SRPC s'engage à appliquer ou faire appliquer la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni. Après ce délai, la SRPC cessera automatiquement d'exister, ce qui inclut le droit de régner et le droit royal pour Denis Ier, souverain du Canada, au titre de roi du Canada, qui abdiquera automatiquement sans autre forme que ce soit. Le droit royal, le droit de régner, la gestion de la couronne au travail de la SRPC, le trône ou tout autre rôle servant le Canada ou la loi sur le Canada 1982 à l'ayant droit suivante. Telle mesure sera mise en place ultérieurement. Tous les membres de la SRPC sont limités personnellement responsables de leurs actes propres, protégés en vertu du recours extraordinaire sous mesure d'urgence en assistance à personne en danger par la loi du bon samaritain. La SRPC est une société publique non enregistrée, création nécessaire de Denis Paiement pour Denis Ier au nom du souverain du Canada, servante du peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982. Ici, je vais juste revenir à une courte interprétation parce que j'ai mentionné après 2 ans, cessera automatiquement d'exister, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué brièvement dans l'interprétation précédente ce qui s'est passé en 2019 à Falcon Lake. J'ai indiqué dans ce... Je viens de lire, c'est-à-dire dans ce paragraphe-là, telle mesure qui sera mise en place ultérieurement. Donc, c'était à la discrétion de la SRPC de soit mettre en place une continuité à sa propre existence ou de cesser d'exister en date du 1er juillet 2019. Donc, c'est la première chose qui s'est passée à la réunion de Falcon Lake de 2019. La SRPC a mis en place son propre successeur, qui se trouvait à être, dans le fond, la même chose qui était là précédemment. Il y a eu une continuité de la raison. Mais si on n'avait pas été capable d'obtenir la rencontre constitutionnelle dans les 2 ans suivant la réclamation, la SRPC arrêtait d'exister le 1er juillet 2019 et vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc, je vous ai mentionné brièvement dans l'interprétation, quand j'arrêterai l'enregistrement, que Falcon Lake, c'était un véritable miracle. C'était un véritable miracle. 14 jours plus tard, c'était fini. Puis Denis se retirait, puis moi, je disparaissais en arrière, puis jamais plus vous auriez entendu parler de nous autres. On ne serait pas là aujourd'hui en train de vous lire ça. Je vais faire pause sur l'enregistrement, on va répondre à la question.
Par ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, déclare la rébellion, la révolte ou autre forme de complot contre le peuple du Canada, ou bien la loi sur le Canada, 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ne sera pas tolérée. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux forces armées, milices, forces navales ou aériennes, forces de l'ordre, agents de la paix, policiers ou autres agents exécutifs ayant pouvoir de violence, de tout rang ou toute fonction sans distinction, au service de l'actuel gouvernement de facto, au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice, ainsi que de protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada, légitime, légal et constitutionnel. Par ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux différentes magistratures de facto, aux divisions du ministère de la Justice du Canada ou sous autorité du procureur général du Canada, de tout rang ou fonction, sans distinction, au service de l'actuel gouvernement de facto, au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public et au bon gouvernement, ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice, ainsi que de protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada légitime, légal et constitutionnel. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux différentes législatures provinciales de facto au Parlement du Canada, sous autorité de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, de tout rang ou fonction sans distinction au service de l'actuel gouvernement de facto, au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice, ainsi que protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11 du Royaume-Uni, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada légitime, légal et constitutionnel. Par ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux différentes compagnies, entreprises ou toute autre forme de société d'intérêt privé, sous autorité de la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, de tout rang ou fonction sans distinction, ayant licence ou incorporation de l'actuel gouvernement de facto, au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, de ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice, ainsi que de protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada, légitime, légal et constitutionnel. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, déclare ne pas avoir de responsabilité de quelque manière quant aux actes du gouvernement de facto, au demeurant illégal, présent, passé ou à venir. Et je vais interpréter ça pendant l'enregistrement. La SRPC ou le gouvernement d'Ayuré n'est responsable en rien, jamais, de ce que le gouvernement illégal a fait. Il y a une bande de criminels dans notre pays. Si vous avez des récriminations, des réclamations, des griefs ou n'importe quel type comment je dirais bien ça, de préjudice que vous avez subi face à eux, réclamez ça aux méchants. Pas la SRPC ne vous offrira jamais de compensation et ne sera jamais responsable de compenser ce que les criminels ont fait. Jamais. Parce que sinon, c'est le peuple qui va payer. Et on a déjà, nous, le peuple, assez payé. Donc, fin de l'interprétation, Madame de Twiller. Par ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, par autorité de Denis Ier, roi du Canada, déclare le gouvernement de facto ou de jure du Canada, sans distinction de fonction ou de rang, sous autorité du Parlement du Canada, est responsable seul de tout engagement monétaire ou tout autre engagement sans limite lié à l'ordre public et au bon gouvernement du Canada, tel que dans la loi sur le Canada 1982, chapitre 11, Royaume-Uni.
ce qui vient, interprétation, ce qui vient renforcer ce que je viens de dire précédemment et ce qui vient aussi renforcer le pourquoi que la SRPC n'aura jamais d'argent impliqué dans sa structure. Chacun, que ce soit de facto ou de jure responsable de tous ses engagements, c'est pour ça que la SRPC ne prend aucun engagement monétaire et qu'il n'y aura pas d'argent impliqué. Et ces engagements qui ont été faits par les de facto, ce sont eux qui sont responsables de ces engagements-là. Jamais la SRPC va prendre le relais et dire, OK, on va prendre les responsabilités d'eux autres. C'est dans les fondements. Par ordre royal, et je crois bien que c'est le dernier, oui. Pour l'ordre public et le bon gouvernement, par autorité de Denis Ier, roi du Canada, déclare tous les ordres précédents s'appliquant durant 2 années consécutives valides au jour indiqué pour le roi du Canada ou ses délégués légaux, légitimes et constitutionnels ou pour les contrevenants à l'ordre public ou au bon gouvernement. Et je vous ai mentionné qu'il y a eu continuité. Donc cet article que je viens de lire a été amendé de la même façon que lorsque Denis a repris le trône pour la deuxième fois. À Falcon Lake au Manitoba en juin 2019. Maintenant, il reste deux déclarations de bonne foi, non, une seule. Est-ce que je la lis en intégralité ou c'est vous? Je vais y aller. Déclaration solennelle de bonne foi. Je, Denis Paiement, déclare sous honneur et de bonne foi ce qui suit. Je réclame le droit royal ainsi que le droit de régner suite à ma réclamation de droit respectant la loi LATMP contre l'État en général, la CNESST en particulier. Cette entreprise privée, la CSST, puis la CNESST, m'a lésé sur plus de 15 années. Alors que leurs crimes contre l'État du Canada et les gens qui le composent continuent à ce jour cautionnés par l'État national du Québec, illégal, illégitime et anticonstitutionnel. C'est donc suite à l'enquête du grand jury confiée par le peuple en 2015 que j'ai découvert que le Québec n'est plus au Canada, ce qui est un coup d'État sur un groupe déterminé. Criminel et illégal comme la totalité du gouvernement de facto et ses servants qui sont complices à divers degrés. Je n'ai rien à voir avec ces gens, je ne suis pas responsable de leurs actes à aucun niveau. Ma réclamation de droit royal n'inclut pas que je serai un jour de quelque manière responsable de leurs actes et que dans le cadre du gouvernement selon la Constitution du Canada, au moyen où je prendrai ces responsabilités, y incluant pour corriger la situation. Au moment, c'est-à-dire pas au moyen, au moment. Ma réclamation privée est liée avec ma réclamation de droit royal, puisque cette dernière découle de cette première. Par contre, aucun de mes intérêts privés n'entre en conflit avec ma réclamation de droit royal, ni n'a de lien quelconque autrement que l'une ait hérité sa légitimité à partir de l'autre. Mes intérêts privés ne peuvent être grévés ou mis en responsabilité avec la réclamation de droit royal. Le gouvernement et le pays appartiennent au peuple. Je suis membre du peuple et j'ai constaté que le gouvernement n'est pas du tout légal, donc en rébellion. Je ne désirerai pas être roi du Canada. Je reconnais volontiers que je n'ai aucune expérience dans ce travail et que cette situation est véritablement extraordinaire et anormale. C'est pourquoi je ferai de mon mieux, que je ne promets rien à personne et qu'il est dans l'intérêt général d'agir. Étant donné que le gouvernement est illégal, ça prend quelqu'un. Si quelconque humain veut la place, elle est libre depuis plus de 40 ans. Et surtout, si ceux qui sont déjà en place voulaient bien faire les bonnes choses, je m'occuperai de mes affaires. Le pays a besoin de ces gens et j'en appelle à eux de m'aider à mettre le gouvernement légal en place ou bien vivre avec le gouvernement de facto illégal. Bon, il y a quelques fautes d'orthographe là. J'étais tout seul quand j'ai fait ça, puis ça m'a échappé cette partie-là. Donc, signé en bleu, la présente. Attendez. Voilà. Devant témoin.
Ouais, c'est pas ça, ça apparaît là. là, on voit plus ma caméra. Signé en bleu. Par des témoins. Acte authentique devant notaire, fait dans un bâtiment officiel qui était là. Qui est toujours d'ailleurs, je crois, l'hôtel de ville de la municipalité de la Macasa. Et si vous l'avez pas vu, publié en bonne et due forme dans le journal local. Je ne sais pas si M. Dominique Loquette est en mesure de présenter ça, mais il semble que j'ai envoyé les photos à lui, si vous demandez à les voir. Oui, ils sont pas là. C'est drôle, avec un micro coupé, la voix, je l'ai vue pareil. En tout cas, comme l'a déclaré Denis Paiement, si effectivement les imbéciles de facto voulaient faire la bonne affaire, il n'y a pas personne d'entre nous autres qui serait en train de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et tous les actes que vous n'avez pas vus, qui ont été faits depuis le temps, moi-même, à titre personnel, j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. J'aurais voulu ne pas avoir à faire ça. Malgré tout, le peuple m'a donné un ordre au grand jury en 2015. J'ai obéi intégralement à cet ordre-là, comme ils disent dans les forces canadiennes, above and beyond, donc au-delà de ce qui était attendu de moi. Quand ça m'a été donné, cet ordre-là au grand jury, je m'attendais pas pantoute à devoir faire quoi que ce soit qui vient de vous être lu. Surtout pas à fonder un pays. Surtout pas à faire des choses constitutionnelles. Surtout pas à demander à quelqu'un de s'asseoir dans le trône. Et surtout pas à ce que vous formiez éventuellement le Conseil et l'Assemblée législative. Comme je vous l'ai mentionné, là, j'ai traîné ça tout seul à bout de bras. J'en ai fait plus que nécessaire. Donc, j'ai fait la guerre. J'ai gagné la guerre. Les raisons pourquoi ils nous sacent la paix, c'est parce qu'ils ont reçu les ordres qui sont indiqués là. Par définition, pour vous, qui êtes membre de la SRPC, les deux officiers royaux présents et les employés dans les titres dans lesquels vous êtes, c'est de les ignorer. De mettre en place la Constitution, c'est le seul et unique document que vous avez besoin. Sérieusement, vous n'avez pas besoin de lire tout le reste, c'est tout invalide, incluant la loi sur l'impôt sur le revenu, incluant tout ce que vous pouvez penser, parce que tout, tout, tout a été vendu. Tout a été vendu. Il n'y a plus rien, rien, rien de public, mesdames et messieurs. Je me suis tapé pour pas que vous ayez à le faire, je me suis tapé tout ce qui est publié sur justice.gc.ca, incluant la vente de Petro-Canada, la vente du Canadien National, la vente d'Air Canada, la vente de Post-Canada, tout a été vendu. Il reste, selon le modèle d'avant le coup d'État, là, il reste que deux sections du gouvernement qui sont techniquement légales. C'est le contrôle d'énergie atomique, puis les affaires des anciens combattants ou anciens combattants Canada, c'est leur nouveau nom, là. Parce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir de revenus de ces deux parties-là du gouvernement. Il n'y a aucun moyen. C'est pas comme l'Agence du revenu qui peut rentrer puis saisir vos comptes de banque puis déclarer tout le monde coupable. Hein? C'est pas comme Post-Canada qui a une caisse enregistreuse puis qui reçoit des sous. C'est pas comme Petro-Canada, même affaire. Mais ça appartient à qui ces sociétés-là? C'est des sociétés publiques. Ils ont été vendus puis sont ultra profitables. Sérieusement ultra profitables. De très loin dans le monde, le Canadien National à lui tout seul, c'est la plus grosse compagnie de train au monde. Puis c'est ultra profitable. Si on prenait ces sociétés d'État-là qui ont été mises en place pour en réalité contrôler les sociétés privées puis les empêcher d'abuser, on n'en serait pas là aujourd'hui. On paierait notre essence au prix coûtant. Puis moi, ça donne que je connais du monde en Alberta qui savent exactement combien ça coûte un litre d'essence le sortir d'Alberta. Puis on ne serait pas à compter l'économie en trilliards. Hein? Un litre d'essence serait vraisemblablement aux alentours du prix qui était quand ils ont vendu Petro-Canada, c'est-à-dire 29,4 cents. Si on faisait juste ça, là, sérieusement, puis qu'on rétablissait la Commission canadienne du blé, c'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État, mesdames et messieurs. C'est juste ces deux organismes-là, mis ensemble avec la Banque du Canada. Premièrement, le Canada est le pays le plus riche au monde, de très loin, en avant de toutes les autres. Tu peux en mettre un paquet dans le lot, puis ils ne feront même pas la cheville du Canada. Ça, c'est clair. Mais si on avait rétabli la Commission canadienne du blé, on contrôlerait le prix des céréales, toutes les céréales,
Hein? Puis on laisserait pas ça à la maudite bourse de Chicago, des astis de crottés qui sont là-bas. Puis là, étant donné que je parle en tant que Jean-François, puis Abitibi, là, et garde, je me gênerai pas de sacrer puis de les envoyer chier ces pourris-là. Puis l'autre affaire, Petro-Canada, on contrôlerait le prix mondial de l'essence. On laisserait pas les petites compagnies d'Arabie Saoudite nous vendre le litre d'essence à je sais pas combien. Puis là, Dominique est en train de. C'est ça, monsieur le lieutenant-gouverneur est en train de présenter les photos là, pendant que je le discute. Le journal, il est juste là. Mais c'est ça. Tout a été publié en bonne et due forme. Évidemment, on n'est pas capable de publier dans l'Almanach du Canada. Là, je me souviens pas comment ce qu'il s'appelle. Il y a un nom particulier là, pour le journal de publication du Canada, encore moins celui de Québec. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Tout ce que vous voyez là, ou que vous voyez pas, a été envoyé à eux autres, puis ils nous ont ignorés. Donc, on n'a pas le contrôle sur les rouages des de facto, puis je pense qu'on l'aura jamais. C'est pour ça qu'il fallait faire une société distincte. On en est là. Vous êtes les premiers membres de la société distincte. Vous êtes affectés non seulement dans vos titres officiels, mais dans vos titres privés. Si vous admettez dans votre cœur que la SRPC est le gouvernement légal, légitime et constitutionnel, il y a plein de choses. C'est ça. Merci, M. Daigneault, la Gazette. Merci, j'avais un blanc. C'est effectivement ça, la Gazette officielle. Vous n'êtes plus tenu. Je ne conseille pas de faire ça, mais vous n'êtes plus tenu par aucun texte que le gouvernement de facto a écrit, incluant l'impôt sur revenu. Je ne vous conseille pas de faire ça. Mais vous avez quand même une certaine mesure de protection avec les ordres royaux et la Constitution. Puis vous avez besoin que de la Constitution. Si on est nombreux à faire ça, l'impôt sur revenu, qui est un organisme privé, vraiment privé, vous pouvez parfaitement aller lire la loi sur l'Agence du revenu du Canada. C'est clairement indiqué que ce monde-là, ils ne sont pas dans le ministère du revenu du Canada, qu'ils ne sont pas des employés fédéraux. C'est écrit, noir sur blanc, mais le monde, ils ne vont pas lire. Moi, je l'ai tout lu. C'est une autre affaire que je vais vous donner à titre d'exemple, la modification de la température, là, du temps, ou en anglais « weather modification », c'est là. C'est là, je l'ai envoyé cette semaine. Ça existe. Là. Ils ont le droit de vaporiser le ciel dans leur. Parce que c'est un droit, c'est pas une liberté, mais ils ont un droit. Tu appliques pour une licence auprès du ministère de l'Environnement puis des Transports, puis tu peux passer avec ton avion puis vaporiser. C'est là. Fait que les gens prennent pas le temps de lire. C'est, bon, OK, j'admets qu'ils sont merdiques. Là. J'admets aussi qu'ils sont pas valides. Mais ils sont là, ces maudits textes-là, pour quiconque veut s'informer. Puis, n'oubliez pas une chose, la pierre angulaire d'un coup d'État, c'est le secret. Puis, parce que la province de Québec est complètement délinquante, en rébellion, n'est pas légalement une partie du Canada, l'élection fédérale dans la province de Québec, si le Québec légalement ne fait pas partie du Canada, est complètement illégale. Tu ne peux pas te présenter dans une circonscription fédérale au Québec si le Québec ne fait pas partie du Canada. Fait que c'est ça que, quand ils ont fait le coup d'État, ça, ils comprenaient. Ils l'ont compris, ça. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est la souveraineté-association. Mais c'est impossible. Le Parlement à Ottawa n'est pas légal. Les 50-quelques élus d'Ottawa, peu importe qu'ils soient du Bloc, du Parti libéral ou du Parti Je m'en foutisse ou du Parti des Bobettes roses pleines de marde, le résultat est le même. Donc, les délégués qui vont à la Chambre des communes, élus par le peuple en Alberta, c'est pas plus valide, puisque la Chambre en tant que telle est invalide. À la seconde où l'un des élus est invalide, toute la Chambre est invalide. Parce que les actions que lui a faites dans cette Chambre-là sont illégales, rend illégale l'action de tout le reste du groupe. C'est forcément comme ça, il n'y a aucune autre option. Donc, les élections sont illégales, autant fédérales que provinciales. Puis parce que moi, je le sais, puis je suis juste un petit trou de cul de rien pantoute qui a juste lu les lois, puis qui constate que la Constitution n'est pas appliquée, viens pas me faire à croire que le barreau de l'Alberta le sait pas. Ils le savent très bien. Puis je le sais qu'ils le savent, je les ai avertis suffisamment souvent. Bon, pas personnellement, je ne suis pas allé cogner au barreau de l'Alberta dire « Écoute, il y a un problème. » Non, non, regarde, on a publié en domaine public ce qu'on est en train de faire. L'ignorance de ce qu'on a fait, la SRPC, de ce que j'ai fait personnellement, c'est pas une raison suffisante pour s'opposer à la SRPC. Puis c'est pour ça que c'est indiqué que toutes les corporations d'intérêt privé peuvent pas s'opposer à ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai reçu une lettre du barreau de la Saskatchewan me dire « ta gueule, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est écrit dans les fondements. Il y a personne qui peut s'opposer à ce qu'on est en train de faire. Vraiment pas. Ah, oh, les petits trous de cul peuvent bien nous traiter de tous les noms pour faire semblant que c'est eux autres la SRPC au lieu de vous autres. Peuvent bien.
Mais c'est de la rébellion contre Sa Majesté, c'est de la haute trahison. L'autre qui s'est attribué le titre de lieutenant-gouverneur, il n'a pas été nommé par madame qui a été nommée par le roi. C'est pas valide. Même s'il s'est attribué le titre de gouverneur général ou encore pire, celui de roi, il l'a pas, la réclamation de droit royal, envoyée en bonne et due forme à Westminster puis à Buckingham Palace. Il l'a pas. Puis même s'il en faisait une aujourd'hui, il dirait oh, moi, je suis le roi, moi, la mienne est antérieure. Ma réclamation est plus vieille que la tienne. Il était beau de proclamer roi comme Romana Di Dillo, hein. Elle s'est proclamée reine. Ouais, combien de temps après Denis Ier? Ah oui, 4-5 ans après. Et où ta validité, toi? Aucune. Tu usurpes le titre que quelqu'un a déjà pris. C'est pas débattissable, ce qu'on a fait. C'est la vérité. Puis là, on donne au peuple le choix entre continuer le mensonge ou admettre la vérité. Monsieur Margottier? Merci beaucoup de l'information par rapport à la reine Romana Dudulot. Elle C'est reine de une chose. rien. Elle reine de rien, elle. Elle a brûlé C'est une chose qui me promenait dans la bouche le. depuis Elle une a vingtaine. brûlé le drapeau du Canada, puis elle a soi-disant été nommée par l'armée américaine, ou je sais pas quelle niaiserie comme ça. Moi, je fais partie de l'armée du Canada. Je vais aller nommer le roi en Suisse. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, les Suisses? Mange la merde. C'est là Ben, je que. vous dirais que de par ce que j'ai appris de ça, oui, elle a été mise en place par les White Hats américains. Bon. Sa légitimité, ben, est encore illégale puisqu'elle passe par-dessus le roi Denis. Oui. OK. Par contre, dans tout le Canada, elle est suivie beaucoup. Oui, parce qu'il tente, je le sais pourquoi qu'elle est là, hein. Il tente d'écœurer le monde encore plus avec la monarchie, avec une petite tyranne comme celle-là, là, qui comprend rien à ce qu'elle fait. Et voilà. D'ailleurs, ça a été complètement ridicule, OK, sa présentation. Moi, je l'ai vu aller, puis staller sur le bord de la rue avec un camper, c'était pas chic, OK, en partant. Mais bon, OK, suite à ça, on prendra des procédures pour Laissez-les. montrer. Non, laissez-les faire. Laissez-les comme monsieur le lieutenant-gouverneur. Laissez-les se casser à gueule. Ils vont se la casser à gueule. C'est baser toutes leurs choses sur un autre mensonge plus gros que le premier encore. C'est basé sur l'abus de la bonne foi des gens. C'est basé sur une fraude. Le message est bon pour le roi Taïos aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, quiconque va tenter, parce que là, il y a une autre proclamation royale qui a été faite tout ça a été prévu, là, qui a été faite en 2021, disponible sur ma chaîne, lue par Sébastien Théodore. Merci à lui d'avoir fait ça, publié dans deux langues officielles, là. Effectivement, là, il sera pas toléré que quiconque, puis quand ça a été écrit, ça, c'était dans l'optique effectivement, de la souveraineté d'une éventuelle province. Ce n'est pas possible de prendre 1 centimètre de terrain du Canada. Le Canada, c'est de 1 à Marée ou ce que Admarie. Quiconque va tenter de prendre le moindre centimètre est coupable d'une agression armée contre le Canada. Même si lui-même n'a pas d'armes. De dire ici, c'est pas le Canada. Hey, quand? OK? La porte est par là. Tu veux pas faire partie du Canada? J'ai aucun problème avec ça. Tu es libre de prendre un avion puis de jamais revenir. Billet aller simple pour n'importe où dans le monde. Puis quand la SRPC sera en place d'une manière générale, s'il y en a qui continuent ça, ben on pourra déterminer une certaine partie du territoire, genre l'île d'Ellesmeer. Si vous savez pas c'est où, c'est à 7 000 km au nord. Allez faire votre petite république là. Puis on verra dans 10 ans s'il en reste dans vous autres, là. Hein, à cultiver des variétés de carottes polaires dans l'île d'Ellesmeer, je pense pas qu'ils vont survivre bien ben longtemps. Mais s'ils veulent, on va leur donner un petit bout temporairement. On leur donnera pas pour toujours, mais essaye ça là. Puis dis-moi ce que ça donne, ta maudite République du Québec, là. Et moi, j'ai aucun problème avec ça, leur prêter un petit bout temporairement. De toute façon, il n'y a pas personne à part deux, trois pingouins. Fait que, bon, c'est peut-être pas bon pour la population de pingouins. J'avais pas pensé à ça. J'ai mangé du pingouin rôti, je ne sais pas ce que ça goûte, là, mais c'est ça. L'idée, c'est que le pays est indivisible. N'oubliez pas une chose, mesdames et messieurs, c'est que le Canada, là, c'est pas une association de provinces. C'est pas du tout ça. Aux États-Unis, c'est 50 États indépendants qui ont signé une constitution fédérale et qui ont octroyé certains pouvoirs. Le Canada, c'est le contraire.
Il n'y a pas d'union entre les provinces en réalité. Ça n'a jamais été ça. Même s'ils ont mis de la poudre aux yeux avec le lac Meech puis avec Charlottetown. Oh, il faut la signature des provinces. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Le Canada n'a pas été fondé parce que les provinces se sont associées ensemble. C'est Sa Majesté qui a donné un ordre de diviser le Canada en deux provinces à l'époque, puis après ça 4, puis après ça 10. Puis ceux qui joignent l'Union, là, il n'y en a plus à joindre, là, il n'y a plus de territoire à ajouter. Ils n'en ont pas de souveraineté. La souveraineté est à une seule place, est à Ottawa, dans le banc du trône, c'est là qu'elle est. Puis, je dis pas que je suis en faveur de ça, surtout pas par rapport à la Constitution, mais techniquement parlant, on pourrait abolir les provinces. Mais ils sont là, tu sais, je veux dire, les délimitations territoriales sont reconnues. Moi, je suis pas contre les provinces en tant que telles. Ce que je suis contre, c'est si une province, puis ça, c'est légalement parlant, ça a été jugé, hein, c'est une chose jugée, Ottawa ne peut pas, d'aucune façon, déléguer ses pouvoirs aux provinces. Et les provinces ne peuvent pas, d'aucune façon, usurper les pouvoirs d'Ottawa. Un exemple bien simple, l'immigration. L'immigration, c'est d'actualité en plus, là, cette histoire d'immigration-là. Québec n'a rien à dire sur l'immigration. L'immigrant qui rentre au Canada, là, il va où ce qu'il veut au pays. Comme n'importe qui d'autre. Québec ne peut pas dire « Tu peux pas venir installer ici parce que tu parles pas français. » Non! Tu n'as rien à dire. Vraiment, vraiment, vraiment rien. Un autre exemple, l'impôt sur le revenu. Pourquoi que Québec est la seule... C'est pas une province, c'est un État national, mais pourquoi que c'est la seule place au monde qui a deux impôts sur le revenu? Moi, ici, en Colombie-Britannique, là, hein, plaque de char à l'appui, là. J'en paye pas d'impôt sur le revenu à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Zéro, zéro, zéro. Juste parce que j'habite pas au Québec, ma maison me coûte rien. C'est 14 000 piastres de plus dans mes poches par année. Pourquoi que dans la province, dans l'État national du Québec, c'est la seule place au monde qui a assez de débile profond pour payer deux impôts sur le revenu? Puis le pire, les deux sont illégaux. Tu sais, moi, j'ai juste à pas habiter là, en tant qu'ancien militaire, là, je veux dire, 14 000 piastres, c'est quand même 140 000 piastres sur 10 ans. C'est 280 000 piastres sur 20 ans. Ça fait longtemps que ma maison est payée. Puis, des exemples comme ça, mesdames et messieurs, il y en a tout plein. Les plaques de char. N'oubliez pas, pour continuer ce que je disais juste avant, tous les pouvoirs qui n'ont pas été octroyés à l'article 92. 92. Il y a 92A. Pouvoir exclusif des législatures provinciales, donc exclusif, c'est le mot-clé. Ce ne sont que, il y en a 10, il y en a 16. Les provinces n'ont que 16 pouvoirs. Ils ne peuvent pas en avoir aucun autre. Contrairement aux États-Unis, où tous les pouvoirs résiduels tombent dans les mains des États. C'est pour ça qu'ils ont chacun leur plaque de char. C'est pour ça qu'ils peuvent taxer différemment. Au New Hampshire, là, il n'y en a pas de taxes sur les sociétés. Mais il y en a dans le New Jersey, juste à côté. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les pouvoirs résiduels vont dans les mains des gouverneurs des États. C'est eux autres, les boss de ces États-là. Au Canada, c'est le contraire. Tous les pouvoirs résiduels vont à Ottawa. Les plaques de char, c'est le meilleur exemple. On ne devrait pas avoir ce régime pourri-là. Tu sais, tu pognes un accident au Québec, tu obtiens tant pour une jambe cassée ou un dos massacré, pour ne pas citer du monde qui sont sur la ligne en ce moment, puis tu viens ici en Colombie-Britannique, puis tu appelles ICBC, t'es réglé en 6 semaines. C'est pas le même régime. Pourquoi? Ça devrait être un régime pan-canadien, plaque de char Canada. Ben oui, blablabla. Je sais que tu me dis ta gueule. Je sais, je sais. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu le fils de quelqu'un que je connais. Il a tombé en bas de sa grue. Ça a pris, écoutez, ça a pris ça, 6 semaines. Le Worker Compensation Board, qui est l'équivalent de la CSST, il a reçu 290 000 $. Ils se sont même pas ostinés. Ils ont vu que le gars est tombé. Ils ont même pas attendu d'avoir le rapport du médecin. Ils se sont pas ostinés avec personne. Le système n'est pas paralysé comme au Québec. Ils l'ont payé tout de suite parce que le régime est super riche. Puis ils savaient que le gars, il se virerait de bord puis qu'il fonderait une compagnie ou qu'il dépenserait l'argent localement. C'est vite de même. Presque 300 000 piastres d'un coup. Clac. Puis le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est racheter une grue puis il a mis un gars dessus. Parce que lui, il ne peut plus le faire personnellement. C'était ça, son... C'était trop.
C'était pour la SAC et non pour toi, je suis Ouais, désolé. mais peu importe. Ouais, la SAC de merde, là. C'est pas pour rien que ça s'appelle la SAC. Mais en tout cas, mais c'est ça. Pourquoi que ça me rentre pas dans la tête? Pourquoi qu'il y a 10 régimes de plaques de char? OK, pour l'éducation, ça, c'est admis. C'est un des 16 pouvoirs. Mais il n'y a rien d'autre pour les provinces. Rien. Vraiment rien. On fait un nouveau pont sur le Saint-Laurent pour traverser entre Québec et Lévis. Québec a rien à dire face à ça. Les ponts, c'est Ottawa. C'est pas écrit que Québec doit bâtir des ponts. Faire un réseau électrifié métropolitain, c'est pas écrit que Québec a la juridiction de donner ça à Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est pas écrit, ça s'en va à Ottawa. Mais non, ce régime-là existe pour nourrir les petits amis corrompus du régime. Si vous avez des questions, je vais faire pause. Je vous remercie parce que là, l'enregistrement s'étire. Donc, je résume, les pouvoirs résiduels vont tout à Ottawa. Personne n'a le droit de prendre un moindre centimètre du terrain et de dire « je fais plus partie du Canada ». C'est de la rébellion. La rébellion est un acte criminel. Puis les criminels iront en prison. Puis René Lévesque est né au Nouveau-Brunswick. J'arrête l'enregistrement, puis on pourra continuer à discuter. Je vous salue tous bien bas. Je me sens toujours aussi mal. Une bonne journée.